Vivement les employés. Ouais, je suis d'accord avec toi, monsieur Oups, hein, franchement. Et ça a pas dégueulassé la table, là, ça c'est bon. Une saucisse. Pour. T'es personne, toi, en fait. Chut, t'es personne. Tu n'es personne. Est-ce que c'est clair? Non, je voulais poser. Ah, le retour de Carlette, déjà? Ah non, où elle s'en va? Elle était allée aux toilettes. Il y a encore une table de 3! Non, là, c'est pas cool, par contre, vous avez tout sali. Faudra la mettre mieux, cette table. Pagis et Xanax, je crois. Ah non, mais j'ai le plateau qui est plein. Attendez. Faut mettre ça à laver. Pagis et Xanax, voilà. Une petite bière pour vous. Xenades et Dark qui sont là. Oh, mais vous êtes trop nombreux. Vous êtes partout. Sérieux? Je sais plus ce qu'il fallait. J'ai oublié! C'est bon, la tavernière, elle est perdue! Vous m'avez paumé! Vous êtes beaucoup trop nombreux. Je m'y retrouve plus. Non, mais donne les bières! Voilà, deux bières ici. Il me faut encore deux saucisses. Ah non, il m'en faut encore une de saucisse en fait. Donne-moi encore une saucisse. Pagis et Xanax qui s'en vont et qui m'ont laissé le bordel, forcément. C'est moi ou elle se plaint de recevoir notre argent à Tavernière? Bien sûr. Enfin ma bière! Bah oui, la voilà, Carlette. Xena. Xena, Carlette, Carlette, Xena. Sinon, la taverne, elle commence à être crade, hein. C'est pas très sérieux tout ça. En même temps, moi je m'allonge de la bière par terre. Deux saucisses pour Faudrait que je leur. Oh, faut que je leur donne des numéros aux tables. Mais non, mais j'ai pas de place! Retire-moi ça. Oui, je sais, ça commande, ça commande. Deux saucisses. Ça en empoche. Ça en empoche et on lave. Ok. Oups, c'est l'Hortan. Allez, ça débarque encore. Sinon, il y a des gens qui sont allés aux toilettes. Vous avez tout sali ou ça va? C'est propre, ça va, c'est bon. C'est ok. Une bière, une saucisse. Deux saucisses. J'ai plus de saucisses, hein. Vous mangez trop de saucisses, hein. Ça va, j'arrive. Calmez-vous. On se calme. Tiens, Carlette. Il manque une saucisse. Il manque une saucisse. Il manque une saucisse. C'est pour l'Hortan la saucisse. Oups, lui, il est plus à la bière. Chaque jour? Quoi, chaque jour? Non, non, une seule fois, tu fais le truc. Et c'est bon, ça fonctionne constamment. Pas besoin de le refaire tous les jours, t'inquiète pas. Demain, tu seras toujours là. Et on va fermer la taverne. Hein. Ouais. Ouais, on va fermer. Hein. Voilà. Coucou, Xena. Ça va, tu voulais pas venir de toute façon. Donc, c'est good. Elle fait un malheur des poules. Ouais, bah écoute, il n'y a plus rien. C'est la dèche, là. Faut tout recommander. C'est bon. Au revoir, oups. Ouais, j'ai fermé à l'heure des poules. Ça te pose un problème, allez. Du balai. Attention, hein, j'ai la poêle. On n'a pas testé la poêle. Tu veux qu'on teste la poêle sur toi? Désolé. Ça a vraiment un frappé en plus. On peut totalement taper les gens. Mais t'es qui toi? Tu sors d'où? Depuis quand t'es là? Non mais il reviendra, vous inquiétez pas. C'est oups, il reviendra. Ah mais c'est ta deuxième bière toi en fait. Vous croyez que le soir c'est plus des alcoolos? Sa deuxième bière, elle a pas payé là encore.
Bah écoute, je te laisse, je fais la vaisselle, mais finis tranquillement et puis après tu t'en vas. Hein. Comment ça je me fais taper? Oups. Mais non. C'était pour tester la poêle. Déjà, je me suis fait arnaquer. Moi, je voulais pas un truc pour taper les gens. Ah ouais, elle est en train de prendre toutes les bières, là. Ouah, direct, les orages et tout, quoi. Non, mais... Je crois qu'on a notre première alcoolique, hein. En vrai, je crois qu'on a notre première alcoolique qui est là. Hein. Le cookie. Attention, ça fait mal au crâne. Faut pas regarder quand je fais ça. Ça fait trop mal aux têtes. Acheter un nouveau niveau de taverne, t-shirt. Faut que j'achète encore un niveau de taverne. Ça va, madame? Ok. Ah, je surveille, c'est ma dernière cliente. Il faut boire. Carlette, t'inquiète, demain tu viens à la taverne, tu vas picoler. Oh, la glace, merci pour la glace, c'est gentil. On a fait toute la vaisselle, ouais. Ok. Excusez-moi, madame. Sortez de la taverne. Madame. Voilà. Elle va très bien. Elle a un petit peu trop bu, je crois, la dame. Je l'ai dégagée de la taverne, quoi. Mais alors vraiment, allez, on l'a bien dégagé de la taverne. Ouais, peut-être qu'on laisse un petit peu plus ouvert le soir. La gueule dehors, mais... Au moins, elle a payé. Oui, elle a payé. Elle avait payé avant de s'effondrer sur la table, ça va. C'est bon, c'est ok. On va peut-être agrandir l'entrepôt. Et je pense qu'on va se faire une livraison, mais violent. Genre, on va se prendre une trentaine de saucisses. Ouais, on fait le stock. Hein. On fait clairement le stock de chez Stock. Avec une... Ouais, plus 30... 40 bières. 30 saucisses, 40 bières. Être fait, c'est quoi? Franchement, à mon avis, ça doit être pas mal. Attendez, c'est où les améliorations? Ah, je crois que ça fait un lave-vaisselle. Nouveau métier pour la fée, lave-vaisselle. Je crois qu'on peut avoir des fées lave-vaisselle. Ah, ça, c'est incroyable. Chaudière, crochet, niveau 2. Il y a pas mal de choses qui m'améliorent pas mal au niveau 4. Bah, je pense que... Je veux voir la fée. Bah, on va la débloquer, je pense, demain, en vrai. Il faut d'abord que j'ai ça, il me faut 250. On a tout ce qu'il faut, normalement, on n'a juste pas les moyens parce que je viens de commander des ressources de malade. J'avais agrandi l'entrepôt. Ouais, c'est bon, ça passe. Hein. Oh, regardez-moi tout ça, on a tout ce qu'il faut. Cette table, il faut que je la bouge. Il faut qu'on réorganise un petit peu ici parce que c'est le bordel. On va remettre des petites saucisses au niveau des crochets. Ça, je pense qu'on va en préparer d'avance. Mais d'abord, il faudrait que je modifie un petit peu la salle. Attendez, comment est-ce que je bouge les tables, du coup? Ranger dans l'inventaire. Le cactus, on va le ranger... Cette table, on va la ranger. Et on va donc commencer par déplacer celle-ci. Est-ce qu'on la... Non, je voulais pas la ranger dans l'inventaire. J'ai fait une bêtise, excusez-moi. Comment je la tourne? Est-ce qu'on la met plutôt dans ce sens-là? Je pense que dans ce sens-là, c'est mieux. Hein, comme ça, on se met proche du mur, mais pas trop près non plus. Comme ça m'a l'air pas mal.
Avec une petite table. Ici. Et la deuxième petite table. Ici. J'ai soif, sa fille. Oui, bah attends le matin quand même. Ah, 2 secondes. Attendez, attendez. Regardez, on va mettre un joli cactus en plus sur la table. Pour 3, pour 4. Go ouvrir. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. En plus, la taverne, elle n'est pas propre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas propre? Il faut qu'on fasse le ménage. Faut faire le ménage. Faut que ce soit propre, hein, pour que tout le monde y vienne. Voilà, la taverne est propre. On va se préparer quelques bières à l'avance. Toujours fermé. Ouais, oh, calmez-vous. Ah, voyez, vous me faites faire des bêtises en plus. Voilà, on prépare ça en avance. Parce que quand il y a plein de monde, il y a plein de monde. Hein. Vous inquiétez pas, on va ouvrir bientôt. On va ouvrir, on va ouvrir. Tout va bien. Ah, on peut en faire pas mal en vrai des bières en avance. Hein. On peut en faire vraiment beaucoup. Hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je crois par contre que j'ai de la vaisselle sale sur mon plateau, non? Non, pas du tout. On fait la vaisselle. Voilà, parce que la vaisselle, c'est cool. Faut faire la vaisselle. On fait quand même un petit dodo? Non, on s'en fout. On ouvre à 14h du matin? Pour les alcooliques? Allez, c'est parti. Allez, venez! Elle est mignonne, ma petite taverne, non? À part ici, ça faut pas trop regarder ici. D'ailleurs, j'ai toujours des planches. Qui c'est que ça? Quelqu'un qui s'est oublié par terre ou comment ça se passe là? C'était quoi ça? Là, il n'y a plus de planches. Ah, je crois qu'on est plutôt pas mal au niveau des planches, on a tout retiré. C'est l'heure du glouglou. Demande à sa fille quoi? Elle vérifie jamais les toilettes. Mais les toilettes, ils sont propres, t'inquiète. Ils sont parfaits, les toilettes. Voilà, tout est déjà propre, c'est bon, t'inquiète. C'est ok. Allez, c'est parti, on commence le service. Let's go, les amis. Hop. Une bière pour la dame, une. Eh ouais. On est des professionnels. Et on peut taper la discute aussi. Hein. Madame! Madame, toi qui n'es personne, voilà. Toi qui n'as pas beaucoup de sujets de conversation. Par contre, toi qui m'as sali toute la taverne en rentrant, t'as pas honte? Ah, voilà, Madame Dess qui arrive. Bienvenue, Madame Dess. Installez-vous. Faites comme chez vous. Bah, pas trop non plus. Hein. Faut pas abuser. Une deuxième bière pour la dame. Ah non, c'est un saucisson. Excusez-moi, excuse-moi, Death, j'allais te donner une bière alors que tu réclames un saucisson. Il fait soif. Bah oui, il fait soif, mais tu me demandes à manger. Ah. Elle, je sens qu'elle va encore picoler comme un trou, elle aussi. Hein. Ouais, je la sens moyen. On va prendre quand même 2 saucissons, je pense, et 2 bières sur notre plateau. Ça me paraît être pas mal. Garder ça un petit peu en stock. Faire un petit peu le ménage. Bonjour Dark, bienvenue à toi. Qu'est-ce que je te sers? Un saucisson. Voilà, ça mange le matin, c'est bien. C'est un bon petit déjeuner sain et équilibré du saucisson. C'est tip top. Oh là, elle va finir à carpette. Elle est à sa 3e bière. Elle va finir par terre. Ça va mal finir, madame. Faites gaffe.
Ah, moi je vous le dis, ça va mal finir. Dess, et les saucissons. Dess, il aime les saucissons. Quoi? C'est moi ou elle vient de vomir par terre? Oh la dégueulasse! Après plusieurs clients, les toilettes peuvent se boucher. Il faut les nettoyer en cliquant. Oui, d'accord, mais j'ai pas eu encore l'occasion. Pagis et Xanax qui me demandent des bières. En vrai, je pouvais prendre là. Hein. Ça change rien, de toute façon. Non, mais on en parle de la fille qui a vomi par terre, là. Non, mais vraiment, quoi. Vraiment, on en est là, quoi. Dégueulasse! Excusez-moi, je fais un peu le ménage. On m'a dit les toilettes, donc les toilettes, ça y est, commence à être dégueulasse aussi. J'ai raté le trou pour nettoyer, ça y est, tout va bien. Ah, c'est long de nettoyer les toilettes, hein. C'est super long de nettoyer les toilettes. J'ai pas de cacahuètes, non, y a pas de cacahuètes. Je suis désolée, mais y a pas de cacahuètes. Ça, vous permettez, j'encaisse. Un saucisson et une bière. Un saucisson, une bière. C'est pour qui? Milady et Doc, ça tient. Aïe, allez-vous. Ça a laissé des tables crades. Ça, je félicite pas. Oups, c'est l'Hortan. Deux saucissons pour monsieur. Oups, c'est l'Hortan. Ouh, c'est rare que Oups, ils prennent pas de la bière. Hein. Mais non, mais... Et serre au lieu de ramasser. Alors on a des piles de vaisselle là avec elle. Elle vomit partout. J'ai une table de 3 je crois qui attend dehors. Monsieur dame. Carlette. Est-ce que tu veux bien attendre un petit peu Carlette s'il te plaît? Avec Yumi et Archeris. Hop, récupère-moi ça, on nettoie la table. J'ai des gens qui savent vraiment pas manger proprement. Elle perdu la terre dernière, c'est moyen à la propreté. Mais non, c'est très bien. Je te lave pas les mains avant de me servir. Bah écoutez, c'est propre, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, l'hygiène est parfaite chez moi. Y a aucun problème d'hygiène. Hop, un petit saucisson pour Dame Xena. Voilà. 3 saucissons. Attends, j'en ai 2 là. Je peux en prendre un d'ici, non? Voilà. 3 saucissons pour ces monsieur dames. Faut qu'il arrête de me cliquer pour récupérer la... J'ai vu une échoppe dehors sur le côté. Ça promet de monter sur le toit. Oh, une échelle. Ah oui. Je sais pas. Je te déconseille quand même d'essayer de monter. Ça peut être dangereux. Il y a tout le monde qui mange. Mais j'ai encore une table de 3. Vous abusez. Dess qui vient avec ses copains. Dess, s'il te plaît, tu veux bien patienter? Avec Dark et Page 10. Hop. Ça en encaisse. Merci bien. Xena, tu vas aux toilettes? Il est bon mon saucisson, t'as vu, il est bon mon saucisson. Un saucisson et une bière. Voilà Xanax, c'est pour toi. Si j'encaisse pas la table, ça va être compliqué. Voilà. C'est bon, Pagis, Dess et Dark, vous pouvez venir vous installer, installez-vous. Il y a d'autres jeux. Mais c'est vous arrivez en troupeau? Enfin. Bah oui, bah écoute, voilà, je fais ce que je peux. 3 saucissons pour la table. J'ai plus de saucissons en plus. C'est parfait. Vous mangez beaucoup trop de saucissons, moi je tiens à vous le dire. C'est incroyable parce que vous pouvez manger comme saucisson. Voilà. C'est pour vous. On a dit un saucisson et une bière pour la 14.
Voilà pour Melody et Dark Satien. Pagis XD. Pourquoi il est Xenag? Il est pas là, Pagis! Il est pas là! Hop, ça par contre, on peut encaisser. Encaissons, encaissons! Perso, je pense qu'elle devrait voir à Up la taverne pour avoir le lave-vaisselle, elle gagnera du temps. J'avoue. Hein. J'avoue, mais voilà quoi. Une bière! Et un saucisson! Oh, le saucisson, c'est pour Oups! Oups, il mange du saucisson! Milady, Dork, ça tient, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous repasserez. Hein. Au revoir! Et en plus, vous avez même pas sali la table, ça c'est beau. Ça, j'apprécie. Hein. Moi, je veux une pizza. Écoute, Pagis. Je fais pas encore les pizzas. Pour le moment, on est aux saucisses. Comment ça, vous prenez des tables Aussi, j'ai la flemme de le faire, Carlette. Mais Carlette, de quoi Carlette, qu'est-ce que tu veux? Une bière et une saucisse? La bière, je suppose que c'est pour Carlette. La saucisse, c'est pour... Oh, mais c'est exactement ça, en plus! La bière, c'est pour Carlette. La saucisse, c'est pour Archeriste. Bravo, bravo. Yumi, comment ça va? Bienvenue à toi. Une petite bière? Tiens, prends, fais-toi plaisir. Elles sont bonnes, mes bières, elles sont très bonnes. Voilà, Carlette, toujours la bière, bien sûr. Bien sûr, toujours la bière pour Carlette. Xena, installe-toi, fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, Xena, elle est pas sur l'alcool, elle a faim, Xena. Xena, elle veut manger. Elle veut de la saucisse. Oh yeah. D'ailleurs, on va peut-être en repréparer de la saucisse. À la santé, Nénéco! Oh yeah! Ah, là, c'est parti. Ça me libère la table, c'est bien. Yumi, j'espère que ça t'a plu. On va passer nous voir quand tu veux. Des, tu veux une petite saucisse? Tiens, Des, prends ta saucisse, c'est cadeau. Dans le jeu, ça affiche pas les émotes, hein. Coucou Léa Tigle, bienvenue à toi. Bienvenue, viens t'installer, regarde, on sert des petites mousses, là. Prends donc Dark. Rayel, toi. Ouh, j'espère que ça a laissé du pourboire. Hein. Alors, Des, il est comment ce petit saucisson? Ça va, il est bon? Ah ouais, ma taverne, elle va devenir incroyable, t'inquiète pas. Et Dark, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est good? T'as vu, eh? Je suis super poli. Le retour de Pagis et Xanax qui sont là. Merci Des, j'espère que t'as laissé un pourboire. Hein. Juste 10. T'avais pris un saucisson, c'est à 10, donc t'as pas laissé de pourboire. C'est pas cool. Non, c'est pas cool, t'aurais pu laisser le pourboire. Hein. Pagis, Xanax, bon appétit. Toi, t'es qui? T'es personne, toi. T'es personne, mais tu veux une bière. Ok. Ah, mais je fais comment pour servir en chibi, moi? Ça va être compliqué, hein. En plus, faut refaire des bières. Et j'ai plus de... Va falloir faire la vaisselle. Oh, mince, trop loin. Mauvaise bière, excusez-moi. Qui aura donc la bière qui pue? Je ne sais pas. Ah, bah, il y en a deux. Il y en a deux de bières qui puent. Deux bières qui puent. Allez, je leur que j'ai des trucs à faire. Ok, oups, à plus, merci d'être passé. La qualité baisse, j'avoue, mais faut pas le dire. Faut pas le dire. C'est pas facile en chibi. Bah ouais, c'est ça, hein. En chibi, vous savez, c'est compliqué, hein, de faire des bonnes bières, hein. Ça prend trop de temps, la vaisselle. Oh non, on a encore une alcoolique, là, je crois. Tiens, prends ça, elle est mauvaise. Hein, y a tout le monde qui veut de la bière. Oups. Ah, le retour d'Oups qui veut de la bière.
La bière qui pue, ce sera donc pour Milady. Bad. Oh, hey, Milady, Milady. Ça va, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Faut pas me juger. Je me fais juger. On me juge. On me dit que mes bières, elles sont pues. C'est pas très gentil. Elles sont bonnes, mes bières. Je vous assure, c'est vrai. Commande urgente? Comment ça, j'ai une commande urgente? C'est quoi, c'est une commande urgente? Toi, Lorten qui me demande des trucs en urgence ou c'est Miss qui picole, là? Elle va encore vomir partout. Ça va vomir partout. Hein. On la voit venir, hein. Carlette! Bien sûr, toujours une bière pour Carlette. Évidemment, Carlette ne vient que pour la bière. Cela va de soi, voyons. T'as vu, Carlette, le jeu a bien compris que tu venais que pour la bière. Ça, c'est un petit peu trop crade. Hein. Passe un petit coup de balai. Ah, poussez-vous, là, je passe le balai. Ah, je le savais. Elle a vomi. Je le savais qu'elle allait vomir partout, celle-là. Et en plus, elle laisse même pas de pourboire. Non, mais... Bravo, quoi. Une bière et une saucisse. Attendez, j'arrive pas à vous servir. Excusez-moi. Désolée. Des choses qui arrivent. À côté de moi en plus. Ouais, elle a complètement vomi comme ça n'a pas permis. Juste à côté de toi, Carlette. Hein. Là, elle a... Oh, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, eh. En plus, elle a marché dedans. Ou alors, c'est Carlette qui a marché dedans et qui m'a fait des superbes traces de vomi partout. Ah, je ne saurais dire, mais là, c'est... Pouf, c'est n'importe quoi. Tiens, Xena, prends donc une petite saucisse. Ça te fera le plus grand bien. Mon saucisson. Ouais, Xena, régale-toi. Mange. Table sale. Ouais, deux secondes. Attendez, je vais chercher de l'eau. Va falloir refaire la vaisselle, tout ça. Vous savez, je suis quelqu'un de très occupé, moi. Ouais. Je bosse dur, hein. Ah, tu le prends à deux mains en plus, le saucisson, ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Bon, on a un peu moins de monde, là, à la taverne. On va pouvoir faire un brin de vaisselle. Voilà. Ouais, toi, bien ça. Mais il va falloir penser au lave-vaisselle. Le cookie! Bah, clairement, il va falloir penser au lave-vaisselle. Hein. Moi, si je peux avoir une fée lave-vaisselle, je prends. Hein. Gouzad! Tiens, Des! Clients inhabituels. Vous devenez de plus en plus populaire et attirez l'attention. Parfois, des clients inhabituels peuvent venir vers vous. Quelqu'un peut demander de l'aide, tandis que d'autres peuvent être tapageurs. Pour parler à un client, ok, soyez poli avec tout le monde, écoutez-les et servez-les correctement. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Auriez-vous une petite pièce? Quoi? Elle vient m'entier! 15 pièces! Oh, mais ça me fait de la réputation, moi! Vas-y, parce que je suis très, très sympathique. C'est moi ou il y a de l'orage? Il y a de l'orage. Oui, Dark, j'arrive. Je m'occupais d'une mendiante. Je l'ai fait dégager, c'est le principal. Il y a de l'orage! Au revoir, Death! Ouais, non, mais quand même, doucement sur l'orage. Death, tu m'as pas donné de pourboire. Je suis triste et déçue. Xena, toi, tu m'as laissé un pourboire? Non, pas de pourboire. Ok. Clairement, c'est pas très gentil tout ça. Vous me laissez même pas des pourboires. Genre, je suis pas une super tavernière? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je suis triste et déçue quand même.
je suis une super tavernière, non? Y'a plus de saison, vous avez tout mangé. Oh là là. Non, tu ne mérites pas vu les galères. Hein? Mais pourquoi tant de violence et tellement de cruauté envers moi? Je fais de mon mieux. Personne qui veut me donner de pourboire. Hein. Ça manque de variété de bière et de pop-corn. Écoute, Pagis. Je fais de mon mieux, je t'assure. Est-ce que tu veux qu'on discute? Est-ce que si je discute avec toi, Pagis, toi, tu vas me laisser un pourboire? Regarde, je suis une autre super polie. Non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Pagis, je suis sûre, lui, il va me laisser un pourboire. Je lui ai parlé et tout, il va me laisser un pourboire. En plus, il est tard. On va peut-être aller voir les toilettes s'ils sont propres. Ah, les toilettes sont dégueulasses. Les toilettes, ils sont crades! Et je sais pas nettoyer les toilettes. C'est compliqué de nettoyer les toilettes. Ah ouais, c'est super compliqué de nettoyer les toilettes. Hein? Une pizza? J'ai pas de pizza. Pagis, c'est pas propre tout ça. Pagis, il a laissé le pourboire. Je le savais, faut lui parler pour qu'il file les pourboires. C'est bien, Pagis. C'est pas grave si t'as tout déglacé. Pour le pourboire, c'est cool. Merci bien. Par contre, en vrai, je crois qu'on va améliorer la taverne. Xanax, on va te servir ton saucisson. Et puis, je pense qu'on va fermer et on va essayer d'agrandir la taverne. Débloquer le lave-vaisselle et tout ça, tout ça. De toute façon, il fait tard, il pleut. Enfin, il pleut pas, mais il y a de l'orage. Donc, je pense que voilà. Tu vois, je mange la pizza et le popcorn. Et tu as pas. Et. Qui a pas, et je te laisse un pourboire. Bah ouais, c'est trop bien ça. C'est gentil de laisser des pourboires. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une petite amélioration au niveau 4 de la taverne, s'il vous plaît? 250, ça va, j'ai plein de sous. Amélioration! Non, oh, la cuisine. Ça y est, on va pouvoir faire des vrais petits plats. Pas juste, je vais pouvoir faire la pizza. Peut-être pas, hein, faut pas... Je sais pas. Il me semble que... maintenant, j'ai des aides. Ah, les fées, voilà. On va bien manger. Eh oui, il n'y a pas que picoler. Hein. Manger, c'est bien aussi. Carlette en voudra une aussi de pizza. Ah, Carlette, ce sera pizza et bière. Alors, aide fée. Votre joli établissement a attiré des fées sauvages. Maintenant, leur arbre magique a poussé dans votre cuisine et ils pourront vous aider dans les tâches ménagères. Tout d'abord, achetez une maison pour une fée dans le menu de mise à niveau. Activité pour les fées. Chaque fée peut être employée pour effectuer une tâche. Par exemple, faire la vaisselle. Pour ce faire, utilisez le menu de l'arbre aux fées. En jouant, vous débloquez plus de spécialités et obtenez plus de fées. En faisant un travail pendant longtemps, les fées acquièrent l'expérience et commencent à mieux faire ce travail. Les fées travaillent gratuitement, mais elles veulent manger. Les fées mangent de la poussière de fées. Vous devez régulièrement acheter de la poussière de fées au magasin et la placer à côté de leur cabane des arbres via le menu. Ok. Et pour ça, comment ça se passe? Alors, a priori, il faut de l'eau et des légumes. J'ai pas de légumes, moi. J'ai pas de légumes? Yes! Ça pivote. Ouais, on va l'embaucher, notre première fée, mais... Ah, je peux pas mettre de l'eau dedans, déjà. C'est pas bon signe. Ok, donc ça, c'est l'arbre. Ça, j'ai rien dedans. Et ça, ça doit être pour les nourrir. Je surveille ce que fait Xanax. Pas de pourboire, c'est ça? Je crois que quand il n'y a pas de... Quand c'est juste des pièces, c'est le compte pile. Et quand il y a un petit sac, je crois que c'est un pourboire. Du coup, dans les améliorations, on a dit qu'on voulait le lave-vaisselle.
Ça coûte 200, ça coûte très cher. Ah, parce qu'en fait, je l'ai pas encore débloqué. Ok, le lave-vaisselle... On va débloquer le lave-vaisselle. Ça m'a coûté extrêmement cher. Et en plus, il faut acheter la poussière. Il me reste 19 bières, donc ça va pas aller, en fait. J'en aurai pas assez. Clairement pas. On va racheter une dizaine de saucisses. On va acheter 5 de poussière. On va racheter un petit peu de bière. On a combien? 210, j'ai 250. Je crois que ça va être compliqué, hein. Je n'ai plus un rond. Voilà, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de monnaie. A priori, on a une fée. Bois de chauffage. Vous aurez besoin de bois de chauffage pour allumer un feu sur votre lieu de travail. Vous pouvez couper du bois de chauffage avec une hache. Eh ben, maintenant il faut en plus que j'aille couper du bois. Je m'en sortais déjà pas. Prenez la hache en cliquant, ok, pour balancer, relâcher sur le journal. Sur le journal, ok. Transportez le bois de chauffage jusqu'au lieu de travail. Vous pouvez également les placer dans les bûches pour une utilisation ultérieure. Ok. Du coup, elle s'appelle Lys. Je peux pas changer son nom, rien du tout. J'ai pas l'impression. En tout cas. Ok. On peut couper le bois. On coupe le bois? J'ai tout cassé. Et du coup, je peux mettre le bois ici. Ok, attendez, on va récupérer ça, si vous voulez bien. Ça devient le bordel, toute histoire, hein. Moi, je vous le dis. Parce que du coup, elle... Comment est-ce que je fais pour qu'elle travaille? Ah, voilà, lave-vaisselle. Ok, techniquement, elle travaille. La taverne est propre. On n'a plus de sous. Je crois que c'est le cheval du marchand qui me fait ça, là. Le cheval du marchand, il fait ses besoins partout. Je peux pas recouper du bois. Si, je peux couper du bois. On va recouper du bois. Comme ça, on en aura un petit peu d'avance parce que c'est super long de couper du bois. Et on va allumer le feu. Comme ça. Donc, il me faut de l'eau et il faut que j'achète des légumes pour la soupe. Sauf que j'ai pas vraiment de légumes. J'ai pas de sous pour acheter des légumes, en fait. Enfin, des stagiaires non rémunérés. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les stagiaires non rémunérés. Doun, coucou, bienvenue à toi. Comment ça va? Ouais, par contre, les légumes, c'est mort. J'ai pas de sous. Vous avez cru quoi? J'ai pas de monnaie. Non, pas amélioration, livraison. Et du coup, maintenant, on peut acheter des légumes. Eh ben, ça sera pas pour tout de suite. On va rouvrir la taverne, on a besoin de monnaie. C'est le matin. Ah, il y a encore un groupe de trois, là, qui passe. Allez, mesdames et messieurs, bienvenue. Venez vous délecter de nos magnifiques, de nos incroyables bières à la taverne du potichat. Des potichats. J'ai mis au pluriel. Venez boire un coup, manger un petit saucisson. Soyez les bienvenus dans notre magnifique taverne où normalement je n'ai plus besoin de faire la vaisselle. Normalement. On a du saucisson. On a de la bière, on va faire plus de bière parce que je sais qu'il y en a ici qui aiment la bière. Je sais que vous aimez ça, la bière. Alors on va préparer de la bière. Oh, et les cookies, ça. Ça, on peut faire des légumes, mais on peut pas faire des cookies. Ça, c'est honteux. C'était limite, mais ça passe. Je crois que j'ai fait le maximum de bière que je pouvais. Bienvenue, mesdames et messieurs. Venez. Viens. Yumi. Viens consommer.
Viens, 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 viens. Oh, la petite glace. Oh ouais, la petite glace de l'été. Ça, c'est bien. Yumi, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ton argent, s'il te plaît. Me demande pas que tu veux des légumes, parce que sinon, ça va être problématique. Non, un petit saucisson, ça va. Ah, Yumi, tu veux qu'on discute un petit peu pour que tu me donnes un petit pourboire? Tiens, bienvenue, voilà, voilà. Ma taverne, c'est la meilleure. Vas-y, donne le pourboire. Je compte sur toi pour le pourboire. Hein. J'ai besoin de monnaie. Alors mange bien, régale-toi et donne le pourboire. Ici, ça travaille? Bah, il y a tout qui est propre, donc en fait, non. Au niveau de l'eau, t'en as assez? Ça, je suppose qu'il va falloir que je lui remette de l'eau quand même. Ah, voilà, nos clients, ils arrivent. Xena et Des, les voici, les voilà. Venez, entrez, soyez les bienvenus. Bienvenue à la taverne du Posicha. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Yumi, t'as pas laissé de pourboire. Yumi, je t'ai fait la discussion et tout, et tu m'as pas laissé de pourboire. Ah, t'es comme ça! Tenez, deux bières, deux. Et ma taverne qui augmente en niveau. Une bonne bière. Eh oui, Xena, c'est pour toi. Voyons, on prend donc cette bonne bière et donne-moi... donne-moi ton argent. Donne ton argent. Eh, monsieur, dame, là! Voilà, ça vient par ici. Ah, mais voilà Zad! Première visite de Zad! Bienvenue, Zad! Avec Dark, en plus. Tu viens pas tout seul. Tu mets trop de pression. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je mets trop de pression. Zad, Dark, installez-vous. Soyez les bienvenus, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers? Deux bières. Allez, va pour deux bières. Voilà, voilà. Voilà. Merci en plus de ne pas avoir sali la table. Attends, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas vu. Zad, toujours aussi belle. Ouais, Zad, elle est magnifique. Toi, vaisselle. Travaille, hein. Que je te paye pas pour rien, même si je te paye pas. Yumi, au revoir. Je crois que t'es allée aux toilettes. Donc, j'espère que tu m'as pas dégueulassé les toilettes. Deux inconnus, deux. C'est moi ou il y a un mec qui pue? C'est moi ou on a des gros crados? C'est quoi ces mecs? Oh! Ouais, Zad, Dark, je vous conseille de vous barrer parce que là, on a deux gros crados. Je sais pas d'où ça vient, ça. Bande de... Non, mais... Bande de crados! Mais c'est quoi, ces mecs? Mais what? Bon, Zad, vous, Zad et Dark, vous avez un peu mis le bordel. Mais bon, je comprends, vous avez vu les mecs arriver, vous êtes barrés à toute vitesse. Hein. Je peux le concevoir. Et je le comprends parfaitement. Tenez, madame. Toi, vaisselle. Dépêche-toi. Barrez-vous, les crados. Forcément, ils ont foutu le bordel. Hein. Évidemment. C'est des crados. Ah, mais de la tomate pourrie et tout, quoi. Mais ça sort d'où, ces mecs? Du poisson? Eh ben, on aura tout vu. Deux bières et une saucisse. Excusez-moi. Attendez, j'ai un peu trop de trucs sur mon plateau. Faut nettoyer ça. Voilà. Deux bières et une saucisse, hein, c'est bien ça? Voilà. Vous faites des bruits bizarres. Oui, ça parle pas la même langue. On va nettoyer ça parce que vraiment, là, les crados, c'était pas tout ça. Hein. Coucou, c'est tout! Bonjour, sa fille. Alors, comment se passe la tanière du chat qui miaule au clair de lune? Ouais, croquette et à la bière. Ça se passe bien. On a juste des crados qui se sont pointés, là, mais... globalement, ça va. Tout le monde a l'air d'être à peu près heureux. Ça manque de pourboire, je trouve, dans cette taverne. Les gens, ils donnent pas assez de pourboire. Par contre, il y a un peu trop d'alcoolique. Ouais. Ah, Dark, ça tient, t'as un nouveau skin. Dis donc, c'est quoi cette nouvelle tête? Ah, mais t'as une commande urgente en plus. Faut que je te serve dans la seconde.
Bah écoute, Dark, y a pas de problème, hein, vraiment. Il est pressé. Il est pressé, ça arrive. Je fais de mon mieux. Toujours avoir des bières d'avance. Ah, on a l'alcoolique qui est de retour. Hein. Et on a Oups qui arrive. Une bière pour Oups, voilà. Ah, ça donne des pourboires, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les pourboires. Et je crois que ça va aller me dégueulasser les toilettes, mais c'est pas grave. Lortan et Carlette, coucou, comment ça va? Bonne journée. Tranquille? Qu'est-ce que je vous sers? Allez, une bière pour Carlette. Et un cisson pour Lortan, c'est ça? Oh, non. Voilà mon argent tavernière. Merci bien pour ton argent, je prends. Carlette qui a pris un saucisson. Quelqu'un a vomi dans la taverne. J'en ai marre des alcooliques. Non mais faut arrêter de vomir partout. C'est quoi c'est... Ouais, peut-être que je refuse de les servir à un moment donné. Qu'est-ce que t'as toi? J'ai parcouru un long chemin, j'ai vu votre taverne. Je meurs de soif et je ne demande que de l'eau froide. Ok. Du coup il veut de l'eau? Attendez, on va aller lui chercher de l'eau.